Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Aujourd'hui, dans les plateaux qui vont venir, je vais vous parler de mes hontes, de mon enfance ou de mon adolescence, parce que j'ai envie d'avoir la loose à la télé. Mais on commence avec le sommaire, parce qu'il n'y a pas que ma honte dans ce 101%. Il y a aussi une critique de jeux vidéo, Dinosaur King. Il y a la Minute du Geek sur l'éternel champion. Tokyo Café, puisqu'on est mercredi. Mais on commence avec les news. Librement adapté de l'œuvre d'Enki Bilal, Nicopol, la foire aux immortels, est un jeu d'aventure sur PC, sorti il y a quelques jours. Développé par White Birds, une boîte fondée entre autres par Benoît Sokal, un autre auteur de BD réputé, le jeu met en scène le fils de Nicopol. Si l'histoire nous est donc contée sous un autre angle, l'ambiance et le scénario de la bande dessinée originelle demeurent bien présents. On se retrouve donc à Paris en 2023, au cœur d'une ville gouvernée par un dirigeant fasciste du nom de Jean-Ferdinand Choublanc, et divisée en deux arrondissements. Le premier est destiné aux populations aisées, alors que le second est réservé aux classes dites inférieures. Si le premier tome de Nicopol, La foire aux immortels, avait déjà connu l'honneur d'être adapté en film, c'est la première fois que l'œuvre de Bilal se retrouve retranscrite dans un jeu vidéo. Mais pour parler de ce dernier, quoi de mieux que de s'adresser au principal intéressé? Nous avons donc rencontré Enki Bilal, l'occasion pour l'auteur de revenir sur la genèse du projet, sur les choix pris lors de l'adaptation, mais également sur l'œuvre Nicopol dans sa globalité. La genèse du projet, elle est très simple. Elle ne pouvait pas venir de moi, cette genèse. Donc je ne suis pas à l'origine de l'aventure. C'est parce que pour la bonne raison, simple raison, que je ne suis pas du tout un joueur. Je ne connais strictement rien aux jeux vidéo. Donc c'est White Bird qui m'a contacté, Michel Bam. J'avais l'aval, quand même, la caution de Benoît Sokal, qui est quand même un auteur de jeu, un vrai auteur de jeu, un artiste qui a passé de l'autre côté, en tout cas, qui a quitté la bande dessinée un temps pour se consacrer à ça. Donc c'est l'aspect nouveau, l'aspect inédit qui m'a intéressé. Donc j'ai mis simplement un certain nombre de garde-fous au départ, notamment sur le contexte du scénario, sur aussi cette volonté que graphiquement on ne soit pas dans la copie, parce que la copie graphiquement, ça aurait constitué forcément quelque chose de voué à l'échec, parce que par expérience je sais que la 3D est très, très, très difficile à gérer, et que si j'étais venu avec des envies graphiques très très précises, on y serait encore. Donc la meilleure des solutions, c'était de laisser l'équipe prendre en main et fantasmer sur l'univers graphique qui est proposé par les albums. Ce qui m'a plu aussi dans la proposition qui est venue de White Bird, c'était l'idée d'attaquer le jeu par le regard du fils de Nicopol, que j'ai très peu utilisé moi dans les albums, qui apparaît dans les albums. Évidemment, il est très important dans les albums, mais il est là pour valoriser l'idée de l'effet de double. Or là, c'est plus un rapport, je dirais, presque naturel, normal, entre un père et un fils, sauf qu'ils ont le même âge tous les deux pour des raisons d'hibernation. Le fait que le fils soit le point de vue subjectif, on va dire, du jeu, fait qu'on est forcément dans des contrées différentes qui sont proches des albums, bien sûr, qui sont issus des albums, mais on est quand même dans des problématiques qui sont différentes. Donc ceux qui ne connaissent pas les bandes dessinées peuvent parfaitement jouer et être séduits par ce jeu. Peut-être davantage d'ailleurs que ceux qui connaissent parfaitement, qui sont toujours un peu conservateurs et qui n'aiment pas trop quand les adaptations, quand on triture la matière qui les a fait rêver. Bon, il y a eu les albums, il y a eu le film qui est c'était un peu un challenge, comme ça, une proposition, mais j'ai accepté, moi, précisément avec l'idée de déconstruire le film. Donc pour moi, Immortel n'est pas du tout un film sur Nicopol, c'est davantage un film sur Jill, peut-être, et sur une Jill totalement différente, comme si elle avait été fantasmée par quelqu'un. Donc je pense qu'elle s'exonère quelque part de son appartenance aux albums. Donc le film, en soi, il a une autonomie. Et là aussi, c'est une autonomie, donc c'est pas une déclinaison opportuniste. Someone was listening to us. Comme chaque année à la même époque, la guerre fait rage entre Electronic Arts et 2K Sports pour déterminer qui des deux éditeurs sera le numéro 1 en ce qui concerne les simulations de basket et de hockey. Et cette fois-ci, c'est 2K Games qui donne le coup d'envoi du match entre les deux éditeurs avec la sortie début septembre de NHL 2K9. Premier constat, le jeu marque le retour à un gameplay classique.
Toutefois, la tentative de l'an dernier qui avait fait évoluer le système de jeu n'a pas été oubliée. Il est ainsi possible d'opter pour un contrôle basique à l'ancienne ou pour un autre proche de la version 2K8 avec un contrôle complet du palais au stick. Mais le joueur peut aussi choisir un contrôle hybride entre les deux premiers cités. Le jeu se veut ainsi plus accessible pour un public non initié, mais laisse le choix à ceux qui souhaiteraient utiliser une configuration plus complexe. Côté graphisme, le jeu ressemble grandement à son prédécesseur. On remarque tout juste une amélioration au niveau de la présentation des matchs et de l'habillage global du jeu. En ce qui concerne les modes de jeu offline, là aussi rien de bien neuf. On note toutefois la possibilité de refaire la glace de la patinoire grâce à une surfaceuse Zamboni. Oui, c'est inutile, mais c'est marrant. Les vraies nouveautés, c'est dans les modes online qu'il faut les chercher. À l'image de FIFA, il est dorénavant possible de contrôler un seul et unique joueur sur la glace, une option qui tend à se démocratiser puisqu'elle sera présente dans NBA 2K9 et dans NBA Live 09, entre autres. And the Rangers searching for their first goal. Au final, NHL 2K9 n'est pas un épisode innovant, mais il demeure tout de même efficace. Et reste donc à savoir ce que la concurrence a préparé avec NHL 09. Electronic Arts possède notamment comme atout un mode Be a Pro très complet. On vous tiendra de toute façon au courant du résultat dans un prochain 101%. Lorsque j'étais enfant, ma tante m'a offert des Santiago vertes. Et moi, j'avais 7-8 ans et j'étais fan de films de cow-boys, etc. Et je me suis dit, oh, des Santiago. Et alors forcément, dès le lendemain à l'école, j'ai demandé à ma mère de me donner des Santiago. En plus, à l'époque, je mettais des joggings, donc j'avais dû mettre un jogging avec des Santiago vertes. Et je suis arrivé le matin, fier, et là, il y avait deux filles dans la cour qui avaient exactement les mêmes Santiago. On s'est foutu de la gueule tout le matin, j'ai pleuré et à midi, j'ai dit à ma mère que je voulais plus jamais retourner à l'école. Depuis, j'ai jamais mis de Santiago. D'un autre côté, ça m'a sauvé niveau look. On regarde la critique. Il est des jeux au Japon dont on entend très peu parler chez nous, alors que sur l'archipel, il s'agit de phénomènes de société. On n'a bien sûr pas manqué le rouleau compresseur Pokémon et l'on commence à découvrir l'aura mystique de Dragon Quest. Mais la licence des Kings de Sega est quasi inconnue chez nous, alors qu'au Japon, c'est une success story connue de tous. Dinosaur King en fait partie et il arrive en grande pompe chez nous avec un dessin animé diffusé sur France 3 et un jeu vidéo. Mais qu'est-ce qui a fait le succès de cette série au Japon ? Comme pour beaucoup de hits, le concept de la série des Kings est tellement simple que l'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. Tout a débuté en arcade, avec un jeu ultra simple misant sur le Jankenpon, le pierre-feuille-ciseau. Le premier jeu de la série était Mushi King en 2003. Le joueur y commandait des insectes, plus spécialement des coléoptères, dotés de différentes aptitudes. Chaque insecte était en fait une carte à code barre, il fallait donc acheter, collectionner et échanger ces cartes pour devenir le roi des insectes, le Mushi King. C'était un succès, et autour du jeu, on avait des émissions télé, des events, et c'est même un employé de Sega qui tenait le rôle du professeur insecte, enseignant aux chérubins tout ce qu'il faut savoir sur les bestioles. Car dans le jeu, toutes les descriptions des insectes étaient vraies, et cela en faisait une encyclopédie sur le sujet, une bonne façon d'apprendre tout en jouant. Le succès a été tel qu'encore maintenant, on trouve bon nombre de ces bornes au Japon. Mais Sega n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Mushi King étant surtout réservé aux petits garçons, il fallait aussi satisfaire les demandes des petites filles. C'est ainsi qu'a été créé Love and Berry, un jeu où chaque fille doit devenir la plus belle des princesses, toujours sur le même concept. Le succès fut lui aussi immédiat, et bientôt ce type de jeu de cartes se vit décliner avec des licences populaires, telles que Dragon Ball ou encore Naruto. Des versions occidentales sont sorties en arcade, et on compte en France quelques rares bornes de Mushi King ou Dragon Ball, mais trop rares, souvent trop chères, voire mal présentées pour ce type de jeu. C'est aujourd'hui avec les versions DS que Sega tente d'imposer sa licence japonaise la plus fructueuse. Et quoi de mieux que les dinosaures pour conquérir le public occidental? Voici donc Dinosaur King, un jeu ludo-éducatif, pour une fois plus ludo qu'éducatif. «
Comme le jeu lorgne sur le marché de Pokémon, il fallait donc s'attendre à un RPG, ce qui n'était pas forcément évident à mettre en œuvre au vu des mécanismes des jeux de la série. C'est donc avec quelques concessions qu'a dû être développé Dinosaur King, qui, rappelons-le, est destiné aux plus jeunes. Le jeu se déroule en vue de plongée classique, comme c'est la tradition dans ce genre de production. Les combats se lancent en aléatoire sur la carte, et pour le coup, ils sont simplifiés à leur paroxysme. Chaque dinosaure a à sa disposition trois attaques, pierre, ciseaux et feuilles. L'une d'entre elles est une spéciale qui infligera plus de dégâts que les autres. Elle est symbolisée par une corolle autour de l'icône, et le combat se déroule ainsi au Jankenpon. Pour pimenter un peu l'action, l'adversaire ou encore un coéquipier pourra donner des indices sur les attaques imminentes. Par exemple, quand l'adversaire dit « Je vais anéantir ta précédente attaque !» cela veut dire qu'il va jouer pour contrer ce qu'a lancé le joueur au tour précédent. Donc si le joueur avait attaqué en pierre, il faudra lancer ciseaux, car c'est la feuille qui arrive. C'est un peu déroutant au départ, mais on s'y fait vite. Contrairement à Pokémon, il n'est pas question ici de capturer des petits monstres issus de l'imaginaire, mais bien des dinosaures issus tout droit du Mésozoïque. Pour capturer ces terribles lézards, il faudra se fournir d'un radar qui permettra de scruter les environs. Si celui-ci donne un signal, il faudra alors donner de la foreuse pour creuser et trouver des fossiles. Une fois un fossile en poche, il faut retourner au Dino Center pour le ressusciter. Cette résurrection n'est pas automatique. Une fois le précieux fossile confié à la charmante hôtesse, il faudra faire passer son stylet sur les ossements de l'animal pour libérer son squelette. Attention, la pioche est très fragile et si elle casse avant l'exhumation, le dinosaure sera perdu à jamais. En cas de réussite, il recouvrera la vie et pourra potentiellement rejoindre l'équipe du joueur. Bien sûr, tous les dinos sont les mêmes que dans les guides paléontologiques. On pourra retrouver l'Irritator, l'Egnosaurus, le Neovenator, l'Uranosaur, le Dilophosaurus, le Dasanturus ou encore l'Ichthyosaur. Ah non, celui-là il n'y est pas. On a ici accès à une encyclopédie presque complète sur ces monstres des temps immémoriaux. Car ça aurait pu s'arrêter là. Mais à la manière du Pokédex, on peut découvrir plein de choses sur ces animaux disparus. Ils sont classés par époque, famille et tutti quanti. Le pied pour les otaku des dinos. Dinosaur King est un titre qui peut séduire le public occidental avec ses graphismes mignons et sa réalisation très correcte. On ne peut rien reprocher à son approche intelligente de ce que devrait vraiment être un titre ludo-éducatif. La plupart du temps, ce genre de produit n'est pas vraiment attractif et les retombées en sont limitées. Mais ici, on s'amuse vraiment à découvrir les dinosaures et leurs mystères. Cependant, Dinosaur King s'adresse vraiment aux néophytes du jeu vidéo, tant le gameplay est simple, vraiment trop simple. On sait tous jouer à pierre-feuille-ciseaux, alors avec des indices, c'est de la triche, et sans indices, c'est du bol. Et c'est souvent frustrant de perdre par manque de bol. Le hasard ne laisse pas de place à la stratégie, ce qui face à Pokémon est une faiblesse indéniable. Et cela même si Dinosaur King apporte une caution intellectuelle que ne pourront jamais obtenir les monstres de poche. Précisons que les vrais fans de dinosaures se sentiront frustrés par tous les spécimens qui manquent à l'appel. Dinosaur King est plutôt le genre de jeu que l'on s'amuse à jouer pour débloquer son petit frère. Maintenant, c'est un peu plus tard. Lorsque j'étais ado, mes parents recevaient des amis. Donc, c'était un repas du dimanche un peu officiel. Il y avait plein de gens autour de la table, tout ça. Et forcément, quand on est ado, on essaye de se rendre un peu intéressant. On ne remarque pas que quand on est ado, vu que c'est ce que je fais tout le temps. En tout cas, j'essayais d'attirer l'attention, mais je ne savais pas comment faire rire les convives, puisque je ne les connaissais pas. Et il y avait une bouteille de vin sur la table que mon père servait du vin aux gens, etc. Et je vois les dates de la bouteille de vin, et je pense que c'était en 92, puisque je me rappelle, c'était 1992 qui était écrit sur la bouteille. Et je dis, papa, le vin, plus il est vieux, plus il est bon. Et mon père, il me fait oui. Je lui fais, alors 1992, le vin, il doit être dégueu. Et c'était les invités qui avaient apporté la bouteille. Le silence a duré à peu près 10 minutes. J'avais envie de mourir. On regarde la minute du geek. C'est quoi ? Quoi ? Bah, le perso, là, je le trouve trop classe. L'albinos ?
Bah, il était déjà dans le jeu que tu jouais hier et c'était pas le même jeu. Bah. Non, c'est. Oui. Non, c'est. Ouais, c'est pas les mêmes. C'est vrai qu'ils se ressemblent. En fait, ils sont tous les deux classe. Objection ! S'il n'a jamais eu l'aura du Seigneur des Anneaux ou de Narnia, le cycle d'Elric, de l'auteur britannique Michael Moorcock, fait partie des classiques de la littérature de fantasy. Si l'histoire en elle-même n'a pas franchement marqué les esprits, le personnage d'Elric a quant à lui laissé une empreinte indélébile, devenant même un archétype récurrent. Dans les histoires de Moorcock, très inspirées de la saga scandinave de Curvelo, Elric est le dernier empereur de Melniboné, une nation décadente et relativement malfaisante. Pour affronter son cousin qui veut voler son trône, il fait un pacte avec le démon Arioch et reçoit en échange l'épée Stormbringer, qui boit les âmes et possède sa conscience propre. Je vous passe les détails, mais en gros, Elric, qui malgré ses antécédents familiaux est dans l'ensemble un type sympa, va en voir des vertes et des pas mûres. Pensez à vos mangas, animés ou jeux vidéo préférés. Maintenant réfléchissez à un personnage à la peau blanche comme neige, grand et svelte, vaguement elfique, mystérieux, taciturne, souvent tout de noir vêtu, avec parfois les cheveux blancs, encore que ce dernier point ne soit pas obligatoire. Vous voyez de quel genre de personnage je veux parler? Celui qui très souvent a la classe. Eh bien voilà, c'est un clone d'Elric. Si en plus son épée boit les âmes de ses ennemis, c'est le jackpot. Quelques exemples de clones d'Elric, Alucard dans Castlevania Symphony of the Night, où il peut même trouver une épée nommée Stormbringer, Kane dans Legacy of Kane avec une épée buveuse d'âme, Soul River, la fin du jeu Soul River 2 d'ailleurs est un copier-coller de la fin d'Elric, Ashram dans les Chroniques de Lodos qui a une épée buveuse d'âme, Soul Crusher, Arthas dans Warcraft 3 qui a une épée Frostmourne, sans oublier que même l'épée toute seule a fait des caméos dans les jeux vidéo, par exemple on peut dire que Soul Edge dans la série des jeux de baston Soul Calibur n'est qu'un clone de Stormbringer. Certains ne sont pas au courant parce qu'ils ne connaissent pas les trois jours, ils sont plus obligés de faire le service militaire, mais moi, à mon époque, on était obligé de faire le service militaire, ou du moins de passer un examen pour savoir si on pouvait le faire ou pas, qu'on appelait les trois jours. Lorsque je suis allé à mes trois jours, heureusement, moi, j'ai pas été pris, hein, j'ai été réformé, voilà, j'étais content. Voilà, je suis allé à mes trois jours, et dès le matin, en fait, on nous met dans une pièce avec des tonnes de gens. On nous met en caleçon t-shirt, alors déjà c'est vraiment super sympathique, on fait connaissance, on serre la main, on regarde les jambes poilues des autres, enfin tout ça. Et là on nous demande de faire pipi dans un gobelet, mais dans les toilettes communes. C'est-à-dire qu'en gros on est une vingtaine de personnes à faire pipi en même temps dans un gobelet. Et moi j'étais un peu timide quand même et je voulais pas que les autres me regardent, tout ça, alors je me dépêche de faire pipi. Ça a changé. Ça a changé maintenant ? Tu montes ta bite à la télé. Ah oui, oui, maintenant je monte ma bite. Mais bon, à l'époque, j'étais timide, voilà. Et je fais vite pipi et je me dis, les gens vont me voir, tout ça. Et donc, j'oublie de secouer la goutte. Hein. Ça parle aux garçons, mais pas aux autres. Et donc, hop, j'enlève le gobelet, je remets mon caleçon. Et là, j'ai une auréole d'urine qui se forme sur mon caleçon. Et vu qu'ils avaient mis les affaires dans une autre pièce, j'étais obligé de rester 3 heures avec mon auréole sur mon caleçon. J'ai très mal vécu. Bon, j'étais très content d'être réformé, mais c'était très dur. Suzuka, cette histoire n'était pas du tout en rapport avec toi. On regarde Tokyo Café. Irasshaimase, Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Edgar Suzuka. 今日の私は海賊商品があるかどうかチェックしたいと思います。 Suzuka Men, l'enquête. 売り場をちょっとチェックしたいと思いますよ。 見つかんないようにね、私ね、ちょっと目立つからね。 大丈夫ですね。 あ、あっち行きたいな。 まあね、こう最近フィギュアとかも売られてますけれど、まあ大体こういうのはね、動画を撮ってるんでしょ。 あのね、何がやばいかっていうのをこの間、 スクエアエニックスの人と喋ってて、まあ立体物って結構ね作るの難しいんですって。その人形とかそういうアクセサリーとかはコピーもの作るの難しいし、何かというとポスターとかタペストリーは本当に海賊商品が多いそうで、本人たちもすごい困ってるそうなんですよ。さあ下敷き、下敷きチェックです。ワンピース、あ、パードエクスキューズマン、パードカメラ、 パドカメラです。なんでかな、怪しいぞ。怪しいもの発見。多分ね、トトロのカバンはね違うと思う。ほら見て見て、だって中国語だもん。
中国バージョン輸入ね輸入してるんだったらいいけど違うんだったら嫌だな見てください隣のトトロだってこれ反対だもん日本語が逆さまだもん見つけちゃったトトロの人形いっぱい売ってますねなんか顔が変な気がするけどドラッグトトロって感じですよね セレスにねマークされないようにチェックチェックガッちゃんも微妙ですねJミュージックもいろいろいっぱい出ていますが DVD 10 ユーロってちょっとありえないですよねだってラルカンシエル 10ユーロ? あ、またね、はい山根みちるさんのキャッスルバニアが売ってますねこれ2枚組ですねこれ2枚組だか悪魔城ですねでもちろん売ってる先はコナミじゃないあのねそう有名な一番有名なコピー屋さんこれですね SM これね有名な海賊物売ってる中国のエンタープライズですねマウスパッドでねこれなんかもうあれですもんねピクセルが歪んでますもんねコピーライトがもう入ってないですもんね普通はこのキティじゃないもんなるとも<笑>やばいですねとかもなんか本当にクオリティ低い感じでホリデイですハローキティじゃないですホリデイですでもキティちゃんにすか見えないで印刷してるんじゃないだって雑誌からの切り抜きな気がするこれとかほらむちゃむちゃさ雑誌の表紙をさ勝手にオリジナル小説文庫とか書いてあるもん トトロハチマキ私こんなもの日本で見たことないですよメイドインジャパン本当かよメイドインジャパンこれはどうですかね微妙に違反してないっちゃっちゃ違反してないこれ振り返ったら全然違う人の顔だったりするとセーフなんじゃないですかね天使猫メイロラビリンスイエーイわけわかんないぞみんなの大好物カップヌードルはちょっと大好物です小さい天使4位ドーン非常に美味しいこれ可愛いなこれ可愛いなプッカちゃんの似たものみたいなね海賊ではないけれどもオリジナルパクリーズなお店ですね東京カフェ T シャツ着られてますねありがとう何ですかこれ誰だかバレバレですねちょっと今私江戸川静香なんですけどね 江戸川静香の花がひくひくと真実は一つあ、ペコちゃんメイドヒアって何ですか ここで作った これいいねメイドヒアあと海苔もいらない意味わかんないですねもちろんわすごいですよカバンいっぱい売ってますねこれじゃじゃーん江戸川静香発見です見てくださいコブラ コブラ皆さん知ってますねコブラ作者はもちろん寺沢武一さん寺沢武一さんが作ったのになんと名前が載ってるのは松本零士違うさ管理管理これはあの販売中止になってますからね裁判が起きてこれにもう世界中どこでも手に入らないキャプテン・ハーロックなのにゴールドラック。しかもキャプテン・ハーロックは裏文字素晴らしいですこれやっぱねこれくらいの勢いがねあるとねいいと思う Voilà, en gros, mes grands moments de honte, j'en ai d'autres, mais je les garde pour moi. À bientôt sur No Life. Demain, c'est Benoît.